Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Héros et Chaos sur Tabletop Simulator. On est en compagnie de l'elfe joué par Anto. Voilà, l'elfe, dis bonjour, connard. On est en compagnie de BVV qui joue le barbare, tu dis au revoir. Le nain qui est joué par Arthur, Bobby Lupo, on s'en fout, c'est un voleur, il est déjà plus là. Et enfin, le mage qui va vous faire le résumé des 4 épisodes précédents. Les 7 épisodes précédents. Lequel, dommage. Des 4 saisons d'avant. Piek. Prends-lui un. Je vais vous faire un épisode de tous les épisodes précédents. Un résumé de tous les épisodes précédents. Alors que nous étions rentrés dans le donjon, nous avions déjà subi une embuscade très épique par des squelettes et des zombies. N'écoutant que notre courage, nous avons tabassé des guerriers du chaos jusqu'à ce que l'enchanteur décide de boire des potions et se transforme en enchanteur orc. Une gargouille a été... Un orc a disparu par le... Et le nain est tombé dans une embuscade face à un seigneur du qui a invoqué une escouade d'orcs. Va-t-il s'en sortir? Nous allons le savoir. Ouais, c'est une façon de résumer. Moi, je vous résumer par épisode 1, le nain a failli se faire démolir et assassiner par un squelette. Épisode 2, le nain s'est retrouvé le nez dans la merde. Épisode 3, il va crever. C'est l'épisode 4. Ah oui, 4, excuse-moi. Ah, t'as réussi à survivre pendant un épisode sans qu'il t'arrive trop de tuiles. Là, c'est bon. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, c'est un autre ami, le voleur. Le voleur, Bobby. Bobby, dont ton nom, bien sûr, est absolument incroyable, puisque tu te nommes Godefroy de Mamie Shrye. C'est ça. Donc, Godefroy, c'est à toi. Un point de vie aussi, purée. Godefroy qui est juste là. Et qui se porte très mal. Il y a un dé qui traîne là. Hop. Oui, c'est normal, tu le remets s'il te plaît. Ah, pardon. Vite quelqu'un. Donc. Hop. Voilà. Wow. On lance mes dés de mouvement. Incroyable. Hop. Est-ce que j'aurais le droit de crier entre temps? Oui, ça te coûtera 4 actions. Donc 2 tours. Ah, d'accord. Donc notre ami le voleur, qu'est-ce qu'il décide de faire? Pas se soigner un peu? Ah. À première vue, il est intéressé par un coffre. Je vérifie si un piège dans le coffre. Tu quoi? Je lance mes dés. Pour le coffre? Perdu quelqu'un là. Tu veux vérifier? Allô? Allô? Discord a l'air en PLS, au secours? Oui. Oui, c'est bon. Tu veux vérifier s'il y a un piège dessus? Ouais. Ok, il n'y a pas de piège dessus. D'accord, bah j'ouvre le coffre. Ok, très bien. Il n'y a rien dans ce coffre si je te donne ça, je te réponds. Ouh, ça rame un peu Discord avec OBS. Je check les valeurs un peu entre deux. Donc tu es dans la salle du chimiste. Deux secondes. Paf, into paf paf. Chez moi. Non, fais pas. Non, surtout ne faisons pas ça. Qu'est-ce qu'il aura pris de mettre ça là? Bleu. Un seul bleu. Ah! Nice. Oui, c'est vrai. J'ai. Attends, bouge pas, je te trouve ça. Pouette. En fait, c'était pas un piège, mais c'était une mimique le truc. T'es mort. Tu pioches une carte. De ça. Là-dedans là? Oui. Je la retourne. Tu en fais ce que tu veux. Et je la mets dans ma main. Oui. Maintenant je la retourne. Tout à fait. Mais tout le monde la voit t'inquiéter. Ah. Le gars avait tellement espéré, tu vois. Est-ce que je peux les arnaquer? Lol, incroyable. C'est bon? T'as lu, tu maîtrises? Oh, pas mal. Paf, pas allez, mal. Salut. Tu peux la rajouter sur ta feuille. Parce que sur ta feuille, tu peux bataille, rajouter une bataille. Hop, ouais. Hop, hop. Et pour leur description, je crois qu'on peut, on va afficher la page 5, ça vous donnera la description des pots. Combien ça? 2,40$. Y a pas, la potion pas. Elle y est pas. Elle n'y est pas parce qu'elle n'est pas achetable. Donc du coup c'est moins 1000 francs loin. Et si, il y en a un en fait, la potion de bataille c'est le breuvage héroïque je crois. Confirme-moi je crois au niveau de la description, mais je crois que c'est ça. Non. Attends, c'est pas celle-là. Ouais, c'est encore autre chose. C'est ça, on verra plus tard. La potion de bataille permet de relancer les dés d'attaque ou de défense. De manière, j'ai fini mon tour et ça. D'accord, bah écoute, moi je vais bouger.
Toi, Franluin. Je permets de relancer tous les dés de combat de votre choix durant un tour afin d'améliorer vos résultats à l'attaque et à la défense. Je vais bouger parce que bon bah c'est bien un magicien mais sans son escouade qui est resté bloqué dedans c'est pas trop top. Qu'est-ce qui t'arrive ? Où là déjà toi pour l'instant ? Je t'arrive toi. Ah d'accord oui. Donc je vais bouger. Tu vas pas faire ça. Ah bien. Et je vais dans l'objectif de récupérer mon escouade. D'accord. Je passe mon tour, c'est à notre cher Atfaren. Ouais, youpi. L'elfe, il va aller voir le barbare. Très bien. Pour lui tenir compagnie. Quelque chose. Ok, d'accord. 12. Donc tu fais un mot compte double. Mais je me mets là. Fais 12. Et je demande ce qui se passe. Oui, j'ai fait 12, je sais, mais je vais pas plus loin. De toute façon, t'as oublié de faire un crochet. Hein. Pas grand chose. Donc, regardez, faut arrêter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, en fait, j'ai entendu du bruit dans la pièce à côté. On a vu un trésor avec le nain. Ça fait plusieurs fois que je lui demande de partager son or et il me dit plus tard. Donc, confiance en lui. Donc, j'étais en train de me barrer, pour être tout à fait honnête. Ah! Normalement, tu vois quelque chose. Oui, bah moi j'y vais pas, c'est mort. Ah, j'en étais tout à l'heure. Ok, après, tu entends du bruit. Sur un simple jet d'esprit, ne fait aucun bouclier noir. Tu peux en savoir plus. Voilà, finalement. Si tu le souhaites. Esprit, c'est quoi? C'est défense? Non, c'était pour le barbare. Toi, t'as fini ton tour. Tu fais plus rien, non? Ah bon? Non, d'accord, enfin, moi j'ai fini du coup. Non, mais j'ai fini du coup. Vas-y, barbare. Bah, moi, j'ai pas les prix, c'était deux. Mais par contre, deux, hein. Non, excuse-moi, enfin, avant qu'on finisse son tour, parce que moi j'avais cru que t'avais mis fin à ton tour. Sinon, tu le vois hein, là, hein. Tu vois un pot vert. Hein. Oui, oui, non, mais la porte elle est ouverte, on est d'accord. Ouais, hein. Ouais. Donc, moi je vais pas plus loin, hein. Moi j'attends ici. Un petit coup de verre là, pas mal quoi. Et beaucoup moi, de lumière irradiait cette pièce comme s'il y avait genre une fournaise, un volcan qui illuminait la pièce par le côté gauche là. Voilà. Ok, bah je dis juste aux barbares, bah viens, on les attend. Quoi. On les attend. Ouais, on les attend. Les c'est à notre ami le barbare. Okay. Donc. Moi j'avais un truc à faire, alors je prends mon mouvement. Je fais 8. Je vais faire pipi, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans ouais. Cette pièce, on a tout fouillé. Hein. D'accord, donc on saura maintenant, daté de ce jour, vous avez tous appris quelque chose sur le peuple des barbares et vous comprenez un peu plus pourquoi les guerriers des clans sont appelés des barbares, puisqu'à première vue, ils prennent les coffres à trésors pour des toilettes. Voilà. Ah, c'est concept après tout, hein. C'est conceptuel. Bref, donc tu ne fais rien. C'est comme ça qu'on peut dire qu'un trésor, c'est de la merde. C'est au maître nain. Alors Maître Nain qui est en train de supplier dans le chat qu'on vienne l'aider. Il est en PLS cosmique. Mais les gars, je suis vachement utile, je vous jure. Je fais mulet, je fais dromadaire, je fais tout ce que vous voulez. Ne m'abandonnez pas. Qu'est-ce que tu fais, le nain? Pourquoi tu te déplaces? Déjà, je lance un jet de mouvement, non? Après... Ok. Le gang bang. C'est vrai, j'avais oublié que ouais, je pouvais pas... Tu peux pas, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu réinitialises ton jet de mouvement, s'il te plaît. Et puis bah ouais, tu me dis ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ce que je vais faire c'est que je vais boire. Est-ce que je peux boire ma potion, taper et courir? Non. Une ça potion. Fait trois actions. Oh. Ok donc je vais taper et courir. Je vais taper cet orque là. Ouais. Yes! Deux crânes. Attends, il faut qu'ils se défendent. Deux crânes? Je les ai pas vus, je te crois pas. un orc, ça a deux têtes de défense, hein, sauf erreur de ma part. Ouais. Tac, se défendre. Oh, yes, tu l'as one shot, t'as gagné un orc. Ah là là. Oh! Ah, oh, mais maintenant, c'est qu'il va pouvoir détaler comme un lapin.
Allez, vas-y, lance tous tes dés de mouvement, fais-nous un superbe 2. Les orques, ils se déplacent de 8. Hein. C'est, ouais, il, fait, c'est, il fait son jet de mouvement et après t'as toutes les attaques d'opportunité. 8, joli. Alors, je tiens à dire que t'as 1, 2, 3, 4, 5 attaques d'opportunité. 6, 7 et 8. Dis-moi, c'est des guerriers ou des ballerines de MJ? Et là j'arrive, c'est... Comme dans Hulk. Donc le nain vient d'accepter de fuir comme un elfe. Là je me dis... Quoi? Ouais, y a... ou de fuir comme un barbare, c'est toi qui vois. Comme ouais, un paysan ouais. En pagne. C'est une question de choix. Bah écoute, maintenant que tu as mis fin à ton tour, ça va être le début de mon tour. Donc là, on va quand même beaucoup moins rigoler. Hein. Je vous cache pas que ça va être déjà beaucoup moins drôle. T'es comme un barbare de haute fleuve, hein, je précise. Si tu veux. Parfait. C'est apparu, c'est normal? Oui, ok. Cette porte est fracassée. Très simplement. Tout simplement, la porte vient de se faire éventrer. 2, 3 et 4. Voilà. Et ça, c'est le dé de ma momie. Bien compris? Ne lui touchez pas. Oui. Je sais plus jamais mes dés. Touchez encore un dé, je vous préviens, je tue un mage. 2, 3. Ok, très bien. Ce monsieur-là. Ah. Le monsieur-là. Le petit oui. Bonhomme-là. Pour ceux qui sont à proximité, vous entendez une... vous l'entendez... Comment dire? C'est pas hurler, c'est un peu... tu vois, ça te fait un peu un son d'église cathédrale, tu vois, comme s'il y avait une grosse réverbe. Mais genre, la réverbe, elle est dans votre tête ou presque. Donc c'est extrêmement violent. Vous jouez jusqu'à la fin du donjon avec un dé d'esprit en moins. Et vous l'entendez tous. Oh putain. Et c'est temporaire. C'est temporaire. Vous lancez un dé d'esprit en moins, pour être exact. Voilà. Ah d'accord. C'est temporaire. Hein. C'est-à-dire que vous l'avez, mais vous êtes assommé par ce son. Vous êtes un peu stun par ce son. Vous n'êtes pas devenu plus bête de manière générale. Vous n'êtes pas devenu un enchanteur orc. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Ça vous a collé une bonne grosse migraine de folie. Pourquoi tant de haine? Et vous voyez par contre les orcs devenir clairs, nets et précis. Hein. Ils ont pas de doute. Ils ont aucun problème. Ils sont totalement sûrs. De police, motherfucker, c'est ça? C'est ça. Ils savent exactement où ils vont. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils sont sereins, presque comme des zombies. Okay. Voilà. Ah, ils sont un peu trop organisés, c'était des orques. Ah, ils sont extrêmement bien organisés. Tous. Oh non. Combien il se déplace lui? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dis-moi, chaman, tu le sens bien ou pas? Bah, normalement, je suis un orque, donc je suis censé être serein aussi. Ah bah oui, c'est vrai en plus. Oui, un Fimir, c'est pas un orque. Merde. Voilà. Très clairement. Si, alors, si un Fimir n'est pas un orque, alors il peut être confus par la situation. Silence, le je parle. Et si tu veux pas que le nain perde de points de vie, observe le silence. par contre, si tu veux qu'il meure, continue à parler s'il te plaît. Surtout n'hésite pas. 1, 2, 3, 4, 5. Clairement, ils vous sentent. Ils vous sentent et ils vous chargent. C'est-à-dire qu'ils savent maintenant où vous êtes. Tous. Ça. En tout du moins, voilà. Ce qui est sûr, c'est que. Qui a le plus d'esprit là parmi vous qui est encore vivant là? Je crois que c'est moi. C'est Bobby. Ou le mage. Bobby est encore à 4. Ah non, c'est que toi et Bobby, vous êtes les.
toi et Godefroy, vous êtes tous les deux ceux qui avaient le plus d'esprit. Donc clairement, vous deux, pour vous, c'est évident. Alors pour Godefroy, c'est pire qu'évident d'un seul coup, quand il sent qu'il a une migraine, qu'il entend une voix de commandement dans une langue impie, frapper dans la tête comme ça, lui marteler le crâne, et que subitement, il entend des colonies de type débouler dans le couloir. Si tu veux, voilà, vous comprenez bien tous les deux que c'est un mauvais prank. Putain. C'est vraiment un mauvais prank. Oh, attends. Vous voulez bien arrêter de toucher à mes figous ? Merci. Mais arrête, touche à ton boule. Mais touchez à votre boule. Ne touche pas. C'est que tu les poses sur le coffre. Nous, on regarde l'armée là qui arrive. Tu fais exprès. On regarde le mec là qui est entre les deux armées. Mais il fait partie des copains normalement. Y a rien qui apparaît au-dessus. Ok. Bah c'est à vous de jouer. Tendu non les gars. Yu-Gi-Oh, à vous de jouer. Est-ce que vous allez sortir de là vivant? Moi j'ai parié que non. J'ai même parié sur votre ordre de main. Ouais. Bah c'est vrai que c'est un peu tendu. C'est compliqué là. C'est bon, vous êtes chaud. Ok. Le nain, on va te taper dessus avec un orc. Hein. Un orc, c'est à quoi, 2D ou 3D de combat? Je sais plus, 3 je crois. Hein. On va dire que c'est à 3, hein. C'est bien. On aime bien 3D de combat, c'est stylé. Attaque de nain, non, attaque d'elfe. Je suis sympa, j'attaque l'elfe. Vraiment très non, sympa. Pourquoi moi? Je te fais un crâne, l'elfe. Parce que t'es devant. Et le mec qui attaque devant. Ouais, c'est un orc. Oh, tu perds un point de vie, c'est magnifique. Ah, j'arrache déjà des PV. Ma vie est magnifique hein, quand même, c'est génial hein, tout ce que j'arrive à faire. Mon ami le chaman, prends-toi 3D de combat aussi. C'est beau tous ces monstres. Il a pris du coup, il prend les stats du chaman ou pas? Deux crânes, monsieur. Faut défendre. Mais il prend les stats du chaman, non? Il perd un point de vie. Non, 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 ce n'est pas un orc. La fusion n'est pas encore parfaite. Ah, d'accord. Ça va, Franluin? Tu gardes la pêche? Franluin, tu gardes la pêche, hein? Il y a tellement de personnes dans l'état critique en fait. Ah, ça va être tendu, les amis. Hein. On fuit, non? Moi je dis run away. Hein. C'est puis par l'entrée, le début, les escaliers, pour de vrai, on peut ça? De quoi? On peut carrément fuir le donjon? Bah oui, bien sûr. Sûr, bien sûr. Sauf si quelqu'un verrouillait la porte entre deux, genre votre ami le voleur, pour vous laisser dans la merde. Trop sympa. Trop sympa le voleur. Le voleur, il est là. Le voleur, il a... Ouais, vous savez pas ce qu'il fait, le voleur. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Il a un point de vie, surtout. D'ailleurs, vous avez noté aussi que ça fait longtemps que vous avez pas vu Franluin. C'est vrai aussi, encore plus longtemps. Et vous notez aussi que le barbare, il doit pas avoir de couilles sous son pagne. Est-ce que... Si on se plante dans un coffre, à votre avis, ça marche? Non, t'es trop grand. Si on fout le même C'est à Godefroy de jouer. Godefroy en phase de dépression suprême. Bah je sais pas du tout comment tu la baisses. Moi je l'ai pas, très fort, mais à première vue ça te gêne. Par contre tu peux parler, hein, tu sais Godefroy, tu as le droit de parler. Parce qu'on t'entend pas. Est-ce qu'ils ont renversé la table ici, genre comme ça? Non. Ok. Est-ce que tu peux arrêter de tripoter à mes figurines? Là, je t'enlève un point de vie, hein. Moi ça me dérange pas. Je me cache dans le coffre. Quoi? le coffre est trop petit pour que tu puisses te cacher dedans. Clairement. Bon bah. Du coup, ça va attendre ici. Hein, pousse la porte contre la table, bloque la porte. Ah, tu pourrais bloquer la porte pour éviter de laisser tous les ennemis se déverser dedans et t'entourer. Par exemple, une idée. Tu pourrais également profiter d'un dé de bataille après tout. Et te placer dans le couloir pour affronter tous ces monstres. Deux par deux, si tu veux, ou alors juste bloquer la porte. Ouais. Beau le garde.
Après, il faudrait que si tu bloques la porte, d'ailleurs, que tu la bloques, il faudra que les monstres fassent 2 dés, 2 crânes pour la défoncer. Pour la fracasser. Alors, si je la bloque avec ça, là ? Non, si tu la bloques toi-même. Tu peux le bloquer avec ça. Par contre. Ah, mais je t'ai passé de mouvement, là. Tu fais pas assez de mouvement. C'est peut-être un peu lourd pour toi, tu non ? Tu la déplaces de 1 et 2. Ouais. La déplace là. Voilà. Et ça va faire énormément de bruit. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire ? Mais t'es sûr qu'ils savent où je suis là ? Ils savent pas où je suis, les monstres. Logiquement. Bah, si, ils te sentent. Ils te sentent. Non, mais tu l'as ressenti. Ah, la Louis et l'odorat très développé. On a fait en sorte que ton perso soit plus intelligent que toi, voyons. Si je mets plus près de la porte, ils vont plus me sentir. Tu peux pas la verrouiller à double tour, là ? Non, tout ce qu'il peut faire, par contre, c'est la bloquer, quelle que soit la manière, même s'il la verrouille à double tour. Mais là, en fait, l'intérêt, le plus intéressant pour lui, c'est de la bloquer physiquement. Puisque s'il la verrouille, il faudra quand même qu'un dé pour la défoncer. Si par contre il la bloque, par exemple, juste en la maintenant ou en calant une planche, ou dès qu'il voit une main traverser la porte, mettre un coup de couteau dedans, etc., ou repousser les mecs qui attaquent la porte, il faudra qu'il fasse 2 crânes pour la défoncer. Voilà. Tu peux gagner un peu de temps. Ça, hein. Très bien. Franc-Luin. Tu sais que Franc-Luin, ça rime avec la fin. Oui, oui, merci. Sauf que je vais essayer de te prouver le contraire. Mais est-ce que crier est considéré comme une action ? Juste crier crier le simple ordre d'attaquer aux morts-vivants. D'accord. Non, c'est gratis. Bah voilà. Donc je dis aux morts-vivants juste d'attaquer tout ce qui passe, tout ce qui leur coule la main. Et moi pendant ce temps-là, je vais claquer ce sort voile de brume, qui va me permettre de traverser autant de cases occupées que mon déplacement le permet. Très bien. Pour être réfugié où, monsieur ? Là-bas. Et au passage, parce que même si ça fait du bruit tout ça et que ça cogne, ici, t'as clairement entendu quelqu'un bloquer la porte, verrouiller à clé et foutre une planche derrière. Ouais, d'accord. Mais je peux pas. Je pourrais pas le rejoindre. Ok. La porte, tu la considères comme un mur, pas comme une case occupée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le sort voile de brume me permet de traverser autant de cases occupées. Mais c'est une porte verrouillée. Enfin, c'est pas comment je la considère. Si tu peux pas traverser une porte, tu te la prends dans la tronche et tout. Donc là, je vais juste. Quelqu'un peut ramasser CD, s'il vous plaît ? Ouais, le gros porc qui laisse traîner CD. Voilà, et donc là, moi, je vais juste essayer de m'enfuir. Très bien. On a bien compris. Tu sais que c'est moi, j'ai bien compris. Si, c'est beau. C'est un mot contre triple. Vas-y. Alors, par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un beau pleutre. C'est un choix. On fait les morts vivants maintenant ? C'est un choix. Oui, les morts vivants. Je vais les faire de mon côté. Il va attaquer la porte à tous les coups. Je vous ai dit de ne pas tripoter à mon dé. Je crois que je l'avais dit, non ? C'est toi qui l'as mis au-dessus. Il était à côté. Il pote pas mon dé. Non mais attends là, non. Il y a clairement un ennemi, ils vont pas attaquer une porte. La porte est le meilleur ennemi des momies. Pourquoi tu fais bouger les gobelins ? Il y a encore l'elfe, le barbare et le nain. Ah oui, putain, c'est vrai que les morts vivants, ils... Ouais, non, attends, excuse-moi. C'est vrai, excuse-moi, je fais de la merde. Désolé, c'est bon, excuse-moi, calme-toi, je t'ai dit. Calme-toi, Denis. Je vais vous tuer, c'est vrai, faut que je prenne mon temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Les zombies, tu peux les bouffer ? Non. Les zombies, je peux les... La les ferme zombies, j'ai dit non. D'accord, non, on peut pas... C'est le fer, il fait ce qu'il veut. Ah, c'est pas possible, ça. Les mecs, ils veulent pas apprendre à jouer. Énervé, on n'a pas besoin de ça, là. Bien sûr que le MJ, il est contre vous. Le MJ, il est là pour vous tuer, hein. Pas là pour rigoler. Hein. Le MJ, c'est le chaos, hein. Parce que je vois qu'il est en train de s'étonner tranquillement dans le chat, mais le MJ, c'est une ordure, hein. C'est un pourri. Il est pas là pour vous aider, clairement. Je suis le chaos, en fait. Donc, très cher Shaman Orc, tu t'aperçois que tu n'as plus aucune emprise du tout sur tes putains de morts-vivants et que la merde qui hurle dans ton crâne a pris le dessus sur tout. La voix qui hurle dans ton crâne a pris le dessus sur tout. Ils agissent tous comme s'ils sembleraient être reliés par des fils invisibles à un seul et même cerveau. Et pas le tien.
Et pas le tien, puisque bon, les orques sont pas réputés pour avoir un grand cerveau. Par contre, cela te fait un grand mal. Voilà. Moins 5 points de vie. Non. Mais ton esprit, c'est... Tiens, d'ailleurs, faisons des petits jets d'esprit, ça faisait longtemps. Tu me ferais pas un petit jet d'esprit, s'il te plaît? Un bouclier, alors c'est bien. C'est bien. Donc étant donné que tu es quand même mandé, t'es un magicien, c'est quand même vachement pratique, tu arrives à te débarrasser de la voix qui est dans ta tête. Et tu regagnes donc ton point d'esprit que t'avais virtuellement perdu. Ouais. Et clairement, c'est un sort d'emprise. C'est un sort de commandement. C'est quelqu'un qui essaye de te donner des ordres. Voilà. Tu te sens également plus intelligent. Tu viens de te rappeler de la définition du mot chaussette. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est déjà quelque chose. Donc tu t'es déplacé, tu as lancé ton sort, tu t'es déplacé, c'est donc à l'elfe. Alors, t'avais tous perdu un truc d'esprit, même ceux qui étaient un peu loin. Oui, tout le monde. L'elfe, il réfléchit très très fort et utilise ça, l'elfe. Oh le pleutre! Tu veux pas taper d'abord? Non, je me casse! Tu peux taper d'abord, il a d'autres défenses, ça change rien. Hein. Hmm. Ah, mais je peux pas utiliser mon sort après, ça fera 3 actions. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Tu fuis, moi, c'est ça? Moi je fais ça. Okay. Oui, moi je fais la fuite. Je pratique la course elf. Ah merde, j'ai de mettre la carte avant de lancer. Parce que si ça avait pu être après, ça aurait été bien. Pour faire mais un 2. J'ai confiance en mes jets de dés. Voilà, c'est 16. Oh, putain, le nez, il va encore te prendre dans la 2, gueule. 3, 4, 5, 6. 13. Ouais, vas-y, passe. Non. Tu ne peux pas. Tu peux. C'est compliqué. Bah non, en fait, tu peux pas parce que le truc que t'as devant toi, tu penses que c'est un orc en fait. C'est un orc, enfin, ça ressemble à un orc. Donc tu es bloqué par un ennemi. Tu lui demandes pas est-ce que je peux passer. Tu peux toujours dire si je peux passer. T'es bloqué par un ennemi qui par contre peut te regarder d'une manière du genre. Quoi que tu peux le laisser passer. Si je passe en le bousculant. Lui par contre il. Non, toi t'oses pas, mais lui il pourrait éventuellement te faire signe. En fait, t'es en train de run très vite. Tu runs très très vite. Parce que c'est ça en fait, il faut pas oublier que tu cours très très vite. Et que l'autre, par réflexe, quand il te voit, il se décale et il te laisse passer, ce qui t'étonne énormément. D'accord. T'es à 12, je crois. Voilà. J'étais à 13, donc il faut que j'aille. Yep. Parfait. Moins 3 points de vie. Tu peux aller 2 cases plus loin, t'avais fait 16. Ah bon? Sûr. J'étais pas à 13 ici? Vas-y, viens ici. Fuis, reste en vie. Tu peux également me faire un jet d'esprit si tu souhaites te débarrasser de la chose qui t'oppresse, puisque toi aussi tu es un magicien. Ok, jet d'esprit, c'est... de toute façon j'en ai 3. Oui, alors, tu vires tes dés de déplacement s'il te plaît. Ouais. Hop. Voilà. Bon. Alors, t'en débarrasses. Tu récupères donc virtuellement ton point de. Ton point d'esprit, félicitations. Tu peux récupérer tes dés. Donc c'est bon, tu n'as plus rien à faire. Suivant, le barbare. Donc le barbare, tu viens de te faire tracer par Bip Bip. tu te retrouves planté là, un peu comme un coyote, pour prendre le jeu de mots du chat. Ah, incroyable. LOL. Malgré ma furieuse envie d'aller aux toilettes, je continue à courir. Il semblerait qu'il y en a un cri au secours. Est-ce qu'il faut lâcher mes fesses au secours. Waouh, ça c'est 2, du barbare 3. Trompette. Oh là là, la fuite. Tu peux fermer la porte derrière moi en passant. tu pouvais, ouais. Non, il a eu l'idée après, ça marche pas. Ah, c'est bon, je peux rien faire ici. Tu la fermes ou pas?
Ah non, il est passé, c'est trop tard, il est trop loin. Non, non, j'ai eu l'idée après. Dans cette pièce, on a tout cherché ce qu'il avait cherché, hein. Mais de toute façon, c'est pas l'idée. C'est bon. Mmh. Bon bah, par contre, tu vois un chaman orc devant toi. Hein. Oui, oui, oui. D'ailleurs, fais-moi un jet d'esprit. On va voir si tu relèves le détail ou... Bon, je vais le prendre à la main parce que... Je sais pas comment ouais, je peux le faire. Par contre, il y a quelqu'un qui laisse traîner CD, c'est... Nawak. T'as plus qu'un point, c'est ça? Bah, j'en avais que deux au début, donc... Ok. Donc... Il est juste devenu plus intelligent que la normale. Ok, donc clairement, vu ton résultat de dé, c'est tort que t'as traité de fils de pute. Donc ça m'a un peu énervé, on verra ça au prochain tour. Clairement, clairement. Et t'as envie de le défoncer, en plus t'as mal au crâne. Et puis le nain veut pas donner son fric, et puis c'est chiant, et puis ça fait beaucoup d'orques partout, ça commence à te casser les noix. Voilà. Exactement ce que j'essayais de faire passer comme message. Étant donné que, heureusement, ton cerveau est plutôt bien conçu de base, tu penses plus à d'abord tuer un orc avant de tuer un nain. Cerveau rudement bien conçu, incroyablement bien conçu. Ah, l'évolution. Voilà. L'évolution, hein. Je ne sais pas trop si on parle d'évolution là, mais bon. ça le dépend, fait que mon village que ça d'origine soit... Le fait que mon village d'origine soit proche du chaos, j'ai pas de notion de tout ce qui se passe avec ces monstres autour de moi, je comprends un peu alors, ce qui se passe. Alors oui, alors effectivement, du fait que tu sois assez proche du chaos, que tu aies combattu assez régulièrement d'ailleurs le chaos, clairement, en tout cas, la langue dont tu as entendu parler, là, enfin celle qui te tape dans le cerveau, c'est du chaotique. Okay. C'est la langue du mal absolu. Okay. Voilà. Mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc, ce n'est plus à toi, c'est à... C'est au nain. Au revoir le nain. Alors, Remercie pour cette partie, c'était vraiment bien. Déjà, ici, ici c'est bien... c'est une dalle de pierre qui a été bougée ou ça peut se refermer En fait, vous l'avez poussée. Donc, pour la retirer, tu seras très short en temps pour t'amuser à le faire. D'accord. Et donc, franchement, avec 4 gros pots verts derrière pour la défoncer. D'accord. Si tu grattes un tour, c'est tout ce que t'auras gratté. Par contre, tu peux toujours te mettre de l'autre côté. Clairement, en te mettant de l'autre côté, étant donné que le passage est étroit, mais pas pour toi le nain, tu pourras bénéficier d'un maximum d'attaques, alors qu'eux, ils seront gênés pour attaquer et pour défendre. D'accord. Mais évidemment, c'est si tu as le courage de tuer tout le monde ou si tu as décidé de devenir un héros de type barbare et donc de fuir. Je vais faire autre chose. Ça n'a rien à voir. Ou d'utiliser le courage légendaire des elfes et de courir très vite. Déjà, j'ai entendu l'insulte qu'il a proférée au barbare, du coup, je me dis, le barbare ne va pas se laisser atteindre. T'as insulté le barbare, l'elfe? Non, l'orc, l'orc a insulté le barbare. Non, l'autre, non, j'ai rien entendu. Toi, t'es occupé à te battre avec des hachoirs, il y a un passage secret entre les deux. Si j'avais pas été fâché avec une seule porte, j'aurais pu me les enfiler, les quatre. Et je vous rappelle que vous avez une voix qui tape très fort dans votre cerveau, donc vous entendez quand même beaucoup ce qui se passe autour. Je lui fais deux crânes. Ah, tu tabasses le monsieur, tu lui fais deux crânes? Ça va être bien. Il défend avec deux. Et je défends avec deux, oui, c'est très très bien ça, monsieur. Si je fais pas de bouclier noir, ce qui risque pas d'arriver, voilà, t'as gagné un orc. Je l'oblitère. Bravo. T'as oblitéré un orc. C'est bien. Non. T'en as presque déjà tué presque la moitié. C'est beau. À charge de revanche, on va dire. Tu peux pas mettre tes figurines correctement, s'il te plaît. Après, tu fais ramer tout le jeu. Non, c'est bon. Sale gosse. De la physique. Ne jouez jamais à Tabletop Simulator avec des enfants. C'est fatigant. C'est pour ça que je joue avec toi. Tiens, attends. Du coup, je prends mes pattes à mon cou. On va voir si j'ai le faut mieux que tu restes devant. Hein. Alors, c'est pas des pattes que tu as, ce sont des bottes. Tu es un nain, donc quand t'enlèves ta paire de bottes, dessous, il y a encore des bottes. Incroyable. C'est comme quand t'enlèves ton casque, porte, en fait. Dessous, il y a toujours un casque. C'est génial. C'est du revêtement. C'est clair. Bon, du coup, je me mets là et j'appelle le barbare, s'il est encore là. Parce que je lui dis que je suis pas bien. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, viens m'aider, grand con. Je lui dis, viens m'aider, camarade. J'ai de l'or pour toi. Et là, tu vois, j'ai une bourse ou un truc comme ça, et je la laisse tomber par terre. Tu balances des pièces dans la pièce d'à côté. T'avais pas ramassé une émeraude ou une connerie comme ça, une pierre précieuse dans une botte à un moment donné? Je sais pas, je m'en rappelle plus. On va dire que tu la prends et tu la jettes si tu veux de l'autre côté de la porte si tu veux. Tu peux l'acheter genre là,
ça te bouge pas de pain. Je l'achète là. Tu me diras si je l'entends, si je la vois. Petit caillou vert qui brille. Étant donné que le nain t'a interpellé, tu peux choisir de l'entendre et de te retourner, ou de l'ignorer pour te concentrer sur cet orque-là. Ok. Mais ça sera à ton tour. Maintenant, c'est à oui, Bibi. Tout à fait. Oui, oui, le mal absolu. Méchant Bibi. Normalement, c'est un gentil Bibi. On s'en fout, ils se déplacent assez, mes orques. 8, je crois. On s'en fout, c'est largement suffisant. J'ai envie de les faire cavaler, de toute façon. Dégourdir les jambes. Et lui, il a le déplacement infini. Il se déplace même à travers les murs s'il veut. Donc lui, c'est bon. Il est un peu pété. Oui, zguagouac. Donc là, tu es bien confirmé que tu le es voleur, il est. Donc tu as un gobelin qui commence à te charger, et puis ça devant toi en se disant, tu sais, il a un doute. C'est un orc ou il a un gros doute. Mais genre il a un doute de type la redoute quoi. Attends, tu m'as dit qu'il est soumis à un sort d'emprise. Normalement, il devrait pas se poser de questions. Oui, mais le problème c'est que toi, tu l'étais aussi. Et tu es vert. Donc c'est bizarre, tu vois, c'est un peu ce que tu as toi. Je rappelle que tu as encore cette souillure du chaos d'utilisation de parchemin qui t'a coûté un peu. Bien fait pour ta gueule, t'auras perdu donc un XP définitivement. Voilà. Non, mais je retiens que t'as perdu un XP. Je rigole pas. T'as qu'à arrêter de m'emmerder avec ta tour qui fait tout ramer. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Le Fimir charge cette porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça pivote. Vous avez vu les amis? C'est quand même chaud. De quoi? C'est drôle de faire ça pour des aventures niveau 1. Ouais. Le voleur, sors une boîte en carton et mets-toi dans le coin. Le coin qui est peint, c'est en relief. Faut quoi? Rentrer dans le meuble d'Alchi. Avec un poster de pin-up dessus, dessiné à la main, bien sûr. Genre une toile de la Joconde, tu vois. Mais en version plus nue. Ok, très bien. Bah c'est bon, je vais te faire avancer. Là, je vais te faire avancer. Et quelques petites surprises. Alors, attaque de l'orque, bien sûr, parce que notre intérêt avant tout, c'est d'essayer de tuer le nain, bien sûr. Oh. Alors, l'avantage du nain, c'est que maintenant, l'orque, il le tabasse avec un dé en moins. Qu'un dé. La petite porte. Ah, c'est déjà bien. Ça va. Et il te fait un crâne. Ce qui est beau. Tu en conviendras. On croit en toi, le nain. Non. Tu peux mourir. 3, 2, purée. Yes c'est bon. Joué. Il a encore envie, le con. Dommage. Eh oui. Par ma barbe, c'est moi le nez. Déjà, pour moi, t'as encore un point de vie de trop, hein, déjà, actuellement. Le nain, déjà, c'est pas normal. Fait. Le Fimir qui va donc fracasser une porte. Le Fimir qui, je crois, fout des steaks à 3D. Oui, il en faudrait 2, tu disais. Il faut qu'il fasse 2 crânes et il fracasse la porte. Non, on n'a pas à le savoir, de toute façon. C'est juste toi qui gères ta salade. Oh, bien, belle défense. Que dalle, Il caresse la porte, en fait. J'ai pas une attaque d'opportunité. Alors, en fait, voilà ce qui va se passer, pour être très exact. Il y a le gros truc qui commence à mettre un coup d'épaule dans la porte. Commence à armer sa hache. Donc, clairement, t'entends le bruit de hache qui frotte, qui frottait par terre, qui est en train de se lever pour essayer de défoncer ta porte. Au moment où il semblerait qu'un truc fasse lui est rentré dedans, mais genre rentré dedans quoi, rentré dedans, mais de manière hostile. Qui a essayé de lui bouffer un jarret. Ça commence à ressembler à un vaste bordel. On dirait un film de Guy Ritchie quoi. Bon, mais là, rappelle-toi le voleur en quelle situation il a. Il cherche franc loin. Il tombe sur une salle remplie de monstres qui se battent. Il a pas tout compris là. C'est vrai que c'est un peu tendu là. C'est un peu compliqué dans certains cas de figure. Vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir lorsque vous serez mort. On va se retrouver au paradis devant Saint-Pierre. Il y a vraiment un mauvais fond, hein, lui. Hein. C'est pas possible. Hein. Ouais, mais il est noir. Oh, hein. Deux crânes, très joli. Oh ouais, je savais pas, tout s'explique. C'est vrai que le voleur, il est pas au mieux finalement. On parle du nain, mais il est coriace le nain. Hey, j'ai 12 monstres autour de moi, les gars. Ça va, il n'a que surtout tient la porte. Hein. Ça va, c'est la queue le c'est l'avantage. C'est un par un quoi. J'en ai 11 parce qu'en face, c'est un grand bang, un par un. Putain, il est dégueulasse. Je tiens à rappeler au voleur que le nain, avant de commencer l'épisode, il était entouré de 5 joueurs. Et c'est 5 attaques potentielles, plus le scénario du chaos. Et lui, il a pas fui comme un blaireau.
Moi, je pose un dé là, et c'est normal. Voilà. Personne ne touche à mes dés. Est-ce que c'est bien clair? Ah, je touche à plus, on a compris. Ok, formidable. Ils sont où les dés Ah, si, vous pouvez toujours tabasser le nain si vous voulez. Vous vous amusez à lui enlever des points de vie, ça marche. Vous avez le droit. Quoi? Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Pas. Yu-Gi-Oh, à vous de jouer. Ok. Yu-Gi-Oh. Donc là, contrairement derrière ma porte, je peux pas attaquer moi. Il faut que tu l'ouvres. Ah, ceci dit, vu que tu n'utilises pas de déplacement, tu peux tout à fait ouvrir la porte. Par contre, tu pourras plus renforcer la porte. Mais tu pourras tout à fait ouvrir la porte, paf, un petit coup de dague, hop, refermer la porte, comme un vieux chien. Un vieux chien de la casse. En fait, le mec, ils sont la technique de désespoir. Pour voilà. Le meuble, maintenant qu'ils savent que t'es derrière, ils n'hésitent pas. Il a dit que ça faisait du bruit, maintenant tu t'en fiches. Hein. Ah, mais bon. Mouvement, je sais pas si tu fais d'où, s'il accepte que tu déplaces ça, ça se tente. Hein. Mais c'est impossible tout seul, ça. Bon, tu on peut avoir ton action, Godefroy, s'il te plaît. Arrête de chercher midi à 14h, tu vas mourir. Point. Je vois pas. Moi, je vois pas ce qui te fait. Ah, j'ai 4, j'aurais pas assez pour le déplacer. Parce que pour déplacer un coffre, il fallait user le double à chaque fois. Non. Quand l'autre il a déplacé son coffre, donc je me déplace pas. Mm-hmm. Et je vais ouvrir la porte. Pourquoi? Je vais mettre un coup de couteau. Vu que je suis prêt à attaquer, j'ai 2 dés. Et après, je refermerai la porte. Donc j'ai 2 dés. Hop. Par contre, t'auras plus tes 2 dés. Faudra que tu sacrifies de la défense après. Ça. Aujourd'hui, t'es le premier à attaquer. La fois d'après, c'est plus le cas. Et donc, faudra sacrifier des défenses. Par contre, là, si tu veux vraiment le tabasser à fond, pourquoi pas t'enlever un défense. J'ai un PV. C'est un PV de trop, tu le sais très bien. Bon, d'accord, 2 dés d'attaque alors. C'est une crampe, t'as vu. Un crâne, c'est ridicule. T'as prévu de lui faire bobo au doigt avec ça? Parce que le Fimir, c'est balèze. Hein. Oui, mais il a 3 défenses. Ouais, bon. Ça, quoi. Ça peut le faire. Mais il a 2 de vie, non? Et tu le tues. Bien joué. Non, tu le tues pas. Non, il a un point de vie en moins. Il a un point de vie en moins. Nice. T'as rien, tu le tues. Par contre, il a 2 ou 3 points de corps, lui, je sais plus. 2. Ok. Et du coup, ça prend loin. Vous touchez pas à mes dés. Tu fermes ta porte là, pas. Tu peux, non? Tu peux refermer ta porte. Il a dit que je pouvais en fait faire ça à chaque fois. Donc voilà. Tant que c'est ouvert. Donc, tant que j'ai une porte fermée, je tente. Et du coup, ça a franc loin. Et c'est à franc lui, hein. Est-ce que je peux profiter de la confusion du gobelin pour lui montrer que l'ennemi, c'est pas moi, mais la créature qui est derrière lui, le film. Ah bah, c'est à toi de voir si tu veux perdre ton temps avec ça. Hein. Par contre, c'est la merde, tu vas te prendre un coup de couteau au prochain. Hein. C'est toi qui vois. Bah, j'ai activé guérison pour corporel. D'accord. Donc, tu te soignes. De 4 points, du coup, attends. Le chaman, il a dû voir. Voir comment ça s'appelle la porte s'ouvrir et le filmier prendre un coup de couteau. Sûrement, c'est possible, mais toi tu t'en fous, t'es pas concerné, pourquoi? Non, moi je m'en fous, mais c'est juste pour lui après. Ah bah lui, théoriquement, il voit et le barbare qui veut lui faire le cul, l'elfe qui est passé, le gobelin qui veut lui faire le cul, le filmier qui est en train de se fracasser contre une porte, il a même vu la momie, enfin il prend beaucoup d'informations. Toutes choses. À ce moment, il essaye de comprendre beaucoup de choses et il se passe beaucoup de choses. Il y en a un qui a touché à Morat. Vous m'énervez. Et sachant qu'il y a, comment dire, je viens de claquer mon sort, je peux pas attaquer le gobelin. Ouais, pourquoi tu t'es healé alors que t'avais plein de points de vie? C'est bizarre. Non, j'avais pas plein de points de vie, il m'en restait qu'un. C'est plein. Ouais, donc tu veux faire un jeu d'esprit pour dire au gobelin d'aller voir la. Pardon, j'ai confondu deux personnes qui jouent. Ouais, d'aller voir le Fimir. Il va falloir parler en orcoïde. Soit ça, soit t'as la possibilité de faire comprendre à ce monsieur qui veut t'ouvrir en deux que c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, parce que bon, c'est un petit coup de main que je te file. Je pense qu'entre un gobelin qui veut te taper et un barbare qui veut te taper, tu vois, je veux dire, dans tes chances de survie. Ouais, c'est bon, j'ai compris, je vais me barrer. Soit tu te barres, soit tu essayes de communiquer avec le barbare, c'est possible aussi. Je suis ton ami. C'est toi qui vois. Parce que t'essayes de t'expliquer avec un gobelin. Bon, c'est qu'un gobelin, hein, c'est pas. Prends-lui un téléphone. C'est pas ce qu'il y a de plus vénère. Hein. C'est la créature la moins vénère du jeu. À un moment donné, Mais il vient de me voir me lancer un sort. T'es un shaman. Oui,
C'est vrai que le barbare ne réfléchit pas beaucoup. C'est vrai que le barbare niveau QI, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ne pas dire que le barbare niveau QI, il n'y en a pas du tout. C'est l'absence. Et j'ai un point d'esprit de moi quand même. Dans ces cas-là, oui, je vais essayer de communiquer avec le barbare. Ok. C'est moi, Franloin. Pas taper. Il a un jeu d'esprit, il va pas te comprendre. Wow. Fais un jeu d'esprit justement. Prends rien, le barbare. Alors, pas le barbare, c'est Franluin qui fait un jeu d'esprit. L'envers. Ah putain. Oh. Ah putain. Alors, t'as fait quoi? Ici, téléphone maison, voilà, c'est le résultat à peu près. Un bouclier. Est-ce que vous pouvez vous mute sauf l'enchanteur, s'il vous plaît? Alors, une petite seconde. Vu que c'est là. Je trouve pas le casque, c'est mes yeux. Non, c'est pas tes. Ouais, il faut. Ouais, faut vous mute le casque. La réception, s'il vous plaît. Attendez, je vais vérifier sur Discord que tout le monde est mute. Sauf. Attendez, c'est où là? C'est ici. Ils sont tous mutes sauf toi. Parfait. Dans ta démarche... Oh, arrêtez d'envoyer des messages, je vous jure. Fermez vos gueules, quoi. Alors, fermez... vos... gueules. Non, mais tu peux... Ok. Donc, la question, c'est... ça te coûte un effort terrible, si tu veux, Ça te coûte un effort terrible, si tu veux, Franluin. Mm-hmm. D'éviter de parler en orque et d'essayer d'articuler, en fait. Tu peux le faire, mais ça va avoir un coup magique sur toi. C'est vraiment, tu vas lutter contre une magie. Est-ce que tu le fais ou pas? Non, clairement, j'abandonne. J'essaie de me barrer. Non, 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 non. Tu viens de lui parler. Maintenant, je suis en train de te demander si tu fais cet effort psychique. Tu viens de le faire. Est-ce que tu fais cet effort psychique d'essayer d'articuler le maximum en humain et de le prononcer en humain comme tu essayes de le penser? C'est un peu lutter, tu vois, comme quand tu viens de te débarrasser des voix dans la tête ou quand tu as dû lutter contre le parchemin du chaos. Tu es encore dans cette même forme de lutte. Est-ce que tu fais cette lutte magique ou pas? Bah oui, quand même. Très bien. Entre l'attaque d'un barbare et l'attaque d'un gobelin, je préfère très bien me prendre l'attaque d'un gobelin. Pas de problème. Donc tu le fais. Très bonne nouvelle, monsieur. Tu redeviens humain. Ouais. Tu récupères un point mental. Voilà. Je t'offre même, dans ma grande générosité, le chaman orc, puisque tu as réussi à vaincre une forme du chaos, monsieur. Ce qui est très joli. Bravo. Et par contre, tu vas choisir un sort dont tu te défausses comme si tu l'avais utilisé. Et je pense que peau de roc est à thème. Parce que c'est un sort de défense. Je pense que se défausser. C'est pas le fait que c'est un sort de défense, c'est la deuxième contre, c'est la première contrainte qui me rend impossible à l'utiliser tel quel. D'accord, et puis dans tous les cas, moi je veux dire, c'est ce qui est le plus à thème, c'est un sort de protection. Quelque part, tu viens de protéger ta vie du chaos. Donc, ça me paraît juste de défausser un sort de défense. Comme j'ai claqué. Vous pouvez vous démute. Vous pouvez vous démute. Vous démute. Allô ? Bande de racailles. Oh, j'ai oublié de lancer un chrono. Cet épisode va être trop long. Je me déteste. Allez, l'épisode est trop long. Officiel. On va les récupérer. On leur fait des bisous. Hein, et on les récupère après. Ouais. On dit qu'on fait ça. On dit quoi, ouais. Ok. Et bah des bisous YouTube et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. À la prochaine.